Aujourd'hui, on annonce la protection d'un boisé de 11 hectares à Notre-Dame-de-l'Île-Perrault. Il y a différentes caractéristiques de ce boisé-là qui font que c'est un boisé particulier d'une valeur écologique. Il y a des habitats forestiers, il y a des milieux humides. Il y a une zone riveraine aussi. Il y a des zones un peu plus ouvertes avec des affleurements rocheux. Tout ça, ça crée une diversité d'habitats qui font qu'il y a certaines espèces qu'on ne retrouve pas nécessairement ailleurs qui peuvent vivre ici. Quand on arrive devant un projet comme celui-ci avec un milieu naturel qui est de grande qualité, qui ne fait aucun doute quant à son intérêt pour être acquis et conservé, bien, il faut travailler ensemble. Dans ce cas-ci, la Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrault, Conservation de la Nature Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal, on a collaboré pour trouver une façon de procéder à cette acquisition-là dans un premier temps, de s'assurer de la conservation puis de la perpétuité de la conservation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille déjà sur un grand parc nature qui était déjà la propriété de la Ville. Et ces espaces-là seront non seulement conservés, mais vont devenir un peu le prolongement naturel du parc nature. On est dans le sud du Québec, il y a très, très peu de milieux encore riches en termes de biodiversité. C'est important de garder à l'intérieur de la trame urbanisée des milieux naturels avec une canopée forestière. Dans un contexte de changement climatique, je pense que c'est notre rôle, les élus, de préserver les espaces verts parce qu'on travaille pour les générations futures aussi. La nature nous rend des services innombrables qui souvent sont pris pour acquis. C'est prouvé, c'est démontré, vivre à proximité d'un milieu naturel, être capable de côtoyer la nature dans son quotidien, ça augmente de beaucoup les conditions au niveau de la santé, à la fois physique et physiologique. Je pense qu'on a un devoir moral en tant qu'humain de protéger ces milieux naturels-là, non seulement pour les services que la nature nous rend, mais pour la valeur intrinsèque même de la nature.